Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je vais faire sur BioShock Infinite. Et oui, donc ce jeu vient de sortir, il est pour moi absolument magnifique, il fallait absolument que je le fasse. Et donc, voilà. Donc je l'ai déjà fini, sans je vais pas vous le cacher, parce que j'ai adoré ce jeu, donc dès que je l'ai eu, je l'ai tout de suite mangé, mais à fond. Je l'ai fini en 3 jours, mais j'ai squatté dessus, donc il est assez long. Mais là je vais jouer du coup une difficulté un peu plus élevée. Mais bon, je vous jure, il est vraiment super. Donc désolé, je joue en faible, parce que bon, mon PC n'est pas trop boost. Mais merde, j'ai fait continuer. Oula, faut pas que vous voyez. Non, je suis juste à la tour. Donc je vais juste revenir en arrière. Donc je vous ai mis les sous-titres, au cas où vous n'entendrez pas. Mais normalement, j'ai laissé le volume de la voix assez fort pour que vous entendiez bien. Par contre, hop, revenir au menu principal. Allez. Donc aussi je suis désolé de l'attente de la vidéo, mais j'avais un peu de soucis avec l'encodage. Hop. Avec l'encodage d'une autre vidéo et tout. Donc je vais devoir la mettre comme ça. Enfin, vous l'aurez vu avant, enfin, je me comprends. Nouvelle partie. Et oui. Alors soit je me mets, alors je sais pas si en mode réservé aux joueurs les plus aguerris, si j'ai beaucoup joué à des FPS, enfin, je sais pas si, parce que moi je joue en moyen, c'était déjà pas mal difficile, alors je sais pas si je me mets en mode 1999, parce que là je vais en chier mais grave, tout me mettre comme ça, parce que sinon je vais en chier, mais difficile, surtout en vidéo. Je vous laisse apprécier l'histoire du jeu, donc si vous pouvez être spoil, hein, ne regardez pas la vidéo, parce que je pourrais pas faire ça. Hop. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Donc Booker, c'est moi. Mais je te crains toi. Ouais, c'est... Dis-moi, tu vas rester planté là? Tu veux que je fasse quoi? Que je danse? Danser? Non, que tu rames. Ramer? Mais j'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout? Non, je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en écoutez bien leur voix. C'était ton contre, idée de venir ici. Vous en souvenir. Mon idée? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pourquoi. Pas à l'exercice. Quoi? Ramer? Non, ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas? Non, il ne rame pas. Hein, je vois ce que tu veux dire. On arrive à une tour, comme dans tous les BioShock. Nous y sommes. Oui, merci. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra? Quelle différence ça ferait? Ça le rassurerait peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé hey! Y'a quelqu'un qui m'attend ici! Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Bon bah go. Super joli. Même en faible, je trouve que c'est vraiment joli. Excusez-moi. Je suis Booker DeWitt. Je suppose que vous m'attendez. Ah, je suis magnifique. Trop beau. Eh ben, ça a l'air sympa. Et comme dans tous les BioShock, on peut tout voler aussi. On peut fouiller les tonneaux. Y'a quelqu'un là-dedans? Eh oh!
du sang. Merde. Bon, je vous avouerai qu'au début, le jeu, j'avais peur, parce que... on se retrouve plus dans une ville sous-marine, du coup dans une ville aérienne. Moi je trouvais le concept un peu bizarre, parce qu'au début on était dans une ville sous-marine et tout. Bon, je trouvais ça bizarre, mais bon. Finalement, c'est super bien. Super bien fait. Alors... Mais attends, cette carte... Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Ça pique les yeux. ça pique. Alors... ouvrez la porte. Ils sont bizarres les gouttes d'eau. Moi aussi j'avais remarqué un bug, regardez la porte. La porte est à l'intérieur et elle continue à avoir de l'eau. C'est bizarre. Enfin bref, on va pas en vouloir. Bon bah... je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. C'est un piège. Hop. Bon, et maintenant le... Tenez-vous prêt, Adelin. Non. Il est l'heure de votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe, là? J'aime pas ça. Non, 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 bordel de merde! Ascension. Enfin, c'est ouvert en fait. Hein. Début de l'ascension dans 5. Non, 4, non, 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 non. 3, 2, 1. Non. Ascension. Bah, il est con aussi. Ascension. Allez, mon cœur. Allez, on nous sommes à 5 000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia. Et alléluia. J'avais jamais vu qu'il avait dit ça. En tout cas, c'est toujours aussi magnifique. Je vais essayer d'admirer le paysage. Comme par hasard, on arrive pile poil ici en parachute, tout prévu. Bon, je suis pas bon en anglais, dommage. C'est le prophète. On se libère pas. Trouver un moyen d'entrer dans la ville. La progéniture du prophète. Mm-hmm.
Je vole l'argent, je pille, tout. Hop, écoutez. On voit que ça fonne. Comstock. Aimez le prophète, Madame Comstock. Car il aime le pécheur. Aimez le pécheur, car vous êtes le pécheur. Et sans pécheur, quelle place pour le Rédempteur. Sans péché, quelle grâce pour le pardon. Excusez-moi, je suis où ? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. Le prophète. Des sous encore, des sous. Moi, ils veulent tout, je suis un voleur. Hop là, Mais, il y avait un truc là. Bye bye. Continue. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Il y a de l'eau partout. Ils marchent tous dans la flotte. Bah. Mais où elle vient cette flotte ? Chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce, et en nous plongeant dans les bougies du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wounded Knee, plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure, et a... Bon, on va... C'est à nouveau Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville. Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère ? Dommage, on peut pas choisir. Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Non, je repars sur ma... de la corvée. Viens et sois purifié ! Alléluia ! Vas-y, mon frère. Approche, mon frère. Approche ! J'ai peur, lui, hein. Je veux juste passer. C'est le démon qui est en toi. Eh, je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de notre au sein de Columbia. Amen. Il est aveugle. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Il va me tuer en fait. Qui est là? Rêve. Qui est là? Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte tout de suite. Je vous l'ai dit, je refuse de le faire. Allez-vous-en. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de choix. Monsieur DeWitt. Là, je suis obligé d'ouvrir la porte. Vision de malheur qu'on voit. Aïe. Comment ça que nous s'agissons de nous? Pouvons-nous faire confiance à notre propre fierté? Non, notre fierté en est incapable. Nous le savons, parce que l'on se... Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. J'avoue. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Des pièges. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Moi, mais bon. Si tu meurs aussi. Toi qui franchis le Delaware, avec une épée de feu et des ailes angéliques. De vertu, prêt à combattre l'ignorance et la tyrannie. Au nom de l'épée, du parchemin. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi. C'est magnifique quand même. T'as le pont qui se déplace et tout. Vous préférez nous arriver ici qu'entre 9h et 11h. Il y a une Bonjour. Ah, il vient juste de repartir.
Et je pense qu'on doit pouvoir arranger. Un jour parfait pour les festivités. Pour les hommes, des cocktails pour les femmes et des jeux pour tous les âges. Le journal. Un scout de la liberté n'aime pas. Il n'est pas question de préférence, mais de devoir. La transcription complète du discours du prophète pour vous. Oh. Salton Stall est pas si mal, moi je dis. Si, j'avais déjà utilisé là. Pas grand chose. N'embauchez jamais d'artiste, mon bon ami. Oh, c'est le truc dans les options. C'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter. Je lui ai dit, le parc est incroyablement en retard. Ah. Comme. Ah non. Puis l'archange m'a montré une vision, une ville plus légère que l'air. J'ai demandé, pourquoi me montrer ceci, archange ? Je ne suis pas un homme fort, je ne suis pas un homme vertueux, je ne suis pas un homme saint. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète, mais si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux ? Casser le cheval. Après la victoire, c'est une image. L'ange Columbia s'est présenté au père Comstock et lui a donné une vision de l'avenir. Et notre prophète a guidé le peuple loin de la Sodome inférieure, là où dans d'autres îles, où il créa une union encore plus parfaite. Mais c'est comme tout le monde. Voilà, c'est bon. Bonne chance pour la... Pas de tombola. L'épée lui réussit. La clé et le parchemin un peu moins. Il y a le thé. On peut y voir le thé. C'est qui cette fille ? Il chante bien. C'est quoi ça ? Le faux berger ne cherche qu'à écarter l'embauche. Qui est le faux berger ? Serait-ce lui ? Serait-ce lui ? Ou encore lui ? Est-ce vous ? Seule notre vigilance protégera l'anneau du faux berger. L'agneau du faux berger. Enfin. Non, super. Ça m'explique vachement c'est qui. Les chanteurs. Moi aussi je peux le faire. Hein. Des pétards. Je vais tout péter. Serais toi, j'éviterais de parler comme ça. Tu risques d'attirer l'attention. John, ne te transforme pas en extrémiste. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. Non, il me connaît, lui. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Une pièce. Ah, le zoom. Bon. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Il a du mal. Qu'un homme veut lancer des éclairs du bout des doigts. Me croyez-vous ? Et si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs, me croyez-vous ? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des billevesées. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bar. Non, messieurs, non, mesdames, je vous parle là des toniques. Proposé en exclusivité. Messieurs, dames, venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Trouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Mais en avez-vous la trempe ?
Défoncez-moi, attendez-moi. Et voilà le premier démon. Démon numéro 2. Ouh, quel talent. Loué soit notre prophète et loué. Et de toi, voici notre vainqueur. Et voilà l'ami. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de lever, oh, retournez ou ce sont les jeunes qui ont mis l'aérotrame de Columbia. Qui va les arrêter? Hey, vous maniez le fusil? J'essaie. Je suis trop fort. Voici un courageux. Tirez sur la Vox Populi quand elle apparaît. Marquez assez de points pour gagner un lot. Je rajoute un bonus si vous touchez cet anarchiste de Daisy Fitzroy. Oh, c'est dingue. Vous avez un don, vraiment. Encore un tir en plein lobby. Oh, la Vox n'a qu'à bien se tenir. Vous avez un don, vraiment. Ah, Fitzroy l'anarchiste, vite, allez. Ah, la fin parfaite pour une traîtresse. Bien visé, bien visé. Trop fort. Oh, la Vox n'a qu'à bien se tenir. Vous avez un don, vraiment. J'ai tué 24 personnes. Vous êtes un vrai tireur d'élite. La Vox Populi est vaincue. Daisy Fitzroy au tapis. Soyez richement récompensé. Trop cher. Le feu. Le démon brûle. Le salaud. Voxophone. Voxophone. Écoutez votre voix du passé. Voxophone. Dans le feu, allez-y, dites quelque chose. C'est quoi un voxophone? C'est quoi un voxophone? C'est ça. Un enregistrement personnel. Léopold d'Alexandre. Les meilleurs de Columbia. Allez. Voxophone. Est-ce que tu as essayé les nouveaux toniques présentés? Enregistrez vos souvenirs. Hop. Quoi, trop fort. Pour votre dame et rejouez-la. Il est fort. C'est l'incroyable Andy Mann. Seul notre. Je veux dire qu'on va devoir se battre avec ça après. Bon alors, on continue. Je vais en prendre. J'ai déjà perdu de l'argent dans un distributeur. Un simple murmure. Ils sont à vous. Tu veux. Au moins, c'est pas de piqûre. Ça change. Je connais. Qu'est-ce que c'était que ça? On peut voir le même ici. Désolé, l'ami, ce n'est pas possible. Tous les billets sont vendus. L'entrée est réservée aux dignitaires et aux personnes d'importance. Pas moi donc, j'imagine. Hop là. Tiens, mais voilà notre bon député Bobord. On vous attend, là, voilà. Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Il perd toujours. Hop là. Oula, Hop là. D'où tu sors ce truc? Ce petit bijou? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotrame de la Vox Populi, on doit être équipé. Ils recrutent pas dans le groupe? J'aimerais bien cogner ça. Oula. What? C'était pas un mec il y a deux secondes. Madame Lutèce, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit, ce n'est pas le genre de loisir auquel doit s'adonner une jeune femme, mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Qu'est-ce que... Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations, Constance.
La tour. Parle pas trop vite, je sens que c'est bonjour. Tu dis ça chaque année. Ah, de l'argent dans la poubelle. Ça m'a toujours... Ça m'a toujours bizarre. De l'argent dans la poubelle. La tombola de 1912 officiellement ouverte. Monsieur. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol. N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia? Bon, et maintenant, le vainqueur est le numéro 77. Eh ben, quelle surprise. Numéro 77. Votre prix vous attend. La première balle. Pitié, de faire ce que ça. C'était mon idée, pitié. Non. Pitié, qu'est-ce que vous faites? C'est bizarre. Alors, pitié. Vous la lancez? Ou vous aussi vous buvez votre café bien noir? Alors, foiré, raciste. C'est moi, s'il vous plaît. Ah, mais c'est qu'on a un petit timide. Il va falloir faire quelque chose. Moi je dis présentateur. Ne t'en presse, mon garçon. J'ai un gros loup pour et toi, si vous lancez la attendez. La voilà. Alors c'est quoi cette marque, petit? Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas avoir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez. Non. Attention. Oh, dégueulasse. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Le feu des canards veut détourner notre avion. Ah, oh, c'est dégueulasse. Allez vite. Allez. Y a pas un gun. Quoi? T'as un problème? Ouais, y'a plus de coups. Hop, soda. Battez-vous comme un homme. Allez, on part de la porte. Depuis le temps que je veux sauver vous. Et voilà, j'ai enfin un gun. Oula, bim. Ça sert à rien, j'en ai vu un là-bas. Ah bah mais toi, ce qui était... Oh, ce qui était pile au moment où il y a de l'action. C'est bête. Hop là. Tiens, je l'avais pas vu celui-là. Je vous l'ai dit, Comstock. Vous leur vendez le paradis. Et ils s'attendent à voir des angelots pour chaque tâche accomplie. Il n'y a pas de serviteurs dans le royaume de Dieu. Enfin, je connais quelqu'un en Géorgie qui peut nous fournir autant de prisonniers noirs que ce qu'on pourra accueillir. Vous n'aurez qu'à dire que ce sont des simples d'esprit qui cherchent la pénitence pour avoir voulu sortir du rang. Ninja. Tant que ça fait. Soulage votre conscience, ma foi. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas Faites vu. Pas d'histoire. Kepi. Ah merde, ça marche pas sur. Où est-il? Ça se voit qu'on est début encore. Ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, j'en profite du coup pour visiter plus les choses qu'auparavant. Ça marche bien.
Trop bien. Venez par ici. Oh ah, aïe 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 aïe. Oh, ça fait deux fois là. On va attendre. Voilà. Peu de problème. On va attendre le pire en bas. Là, il n'y a pas attendu. Alors, je sais pas pourquoi ils ont gueulé. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, le blanc. Brûlez au nom du prophète. Génial. Ah, punaise. Ah, libérez-moi. Des tirs bien placés. Ah, punaise. Un tonique. Un baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. C'est horrible quand même. Ça va faire. Ouais. On le fait quoi? Je m'attendais pas à ça. Pas d'artifice. Ce con, il jette dans le feu aussi. Au pire. Bon bah je crois qu'on va se quitter là hein. Juste avant de rentrer ici, tranquille. Oh le cochon. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous regarderez la suite. Allez moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao bye. Et abonnez-vous. Ciao ciao.